Exposition que je vous propose, plus de 50 artistes nous présentent des œuvres, leur vision du continent noir, leur vision de ce continent riche en couleurs, riche en paysages naturels et riche vraiment en diversité naturelle, vraiment un continent extraordinaire. Je vous laisse regarder. Le Festival égypto-africain des arts a inauguré sa 4e édition au Caire. Cette année, le festival a vu une forte participation d'un grand nombre des artistes égyptiens et arabes. شارك معانا مجموعة كبيرة من قيم ورموز الفن التشكيلي المصري من جيل الرواد. Pour la quatrième année consécutive, on organise le Festival égypto-africain des arts. Ce festival est caractérisé par la diversité des activités culturelles et artistiques. Durant cette édition, on peut voir des concerts, des séminaires et des expositions artistiques. Cette exposition a pour thème les relations artistiques et culturelles entre l'Égypte et l'Afrique. J'y ai participé avec deux tableaux. Le premier incarne la vie nubienne, quant au deuxième présente les visages des enfants africains et égyptiens. النهارده لما بنيجي نخش عايزين على الناس دي عايزه تاخد جايزه بتفكر فيها فواضح. Chaque artiste a l'honneur de participer dans ce festival. Je suis très fière de présenter mes ouvrages avec un grand nombre des artistes professionnels.
Concernant ma participation, j'ai présenté une peinture à l'huile qui incarne les bateaux au bord du Nil à Assouan. L'exposition a également vu une forte participation de la jeune génération qui a présenté une multitude de sentiments et de couleurs à travers leurs ouvrages. بالنسبة لطلبة الفنون طبعا هو أهم حاجة في طالب الفنون إن هو بيروح. Le festival a vu une grande participation des jeunes talents, et ça c'est très important pour eux. L'idée de participer dans une grande exposition pareille avec les artistes de la génération précédente est très bénéfique pour les jeunes afin de profiter de leur expérience artistique. بالنسبة للمعرض المصري الأفريقي كان لازم أحط البصمة المصرية القديمة بتاعت الزهور المصريين أول ناس. J'ai participé dans cette exposition avec une peinture qui incarne la beauté des fleurs. Dès l'âge des pharaons, et les Égyptiens aiment beaucoup les fleurs et les plantes, et on peut voir ça sur les murs des temples pharaoniques.